côté de Zadio. Makoussou pour la frappe. Il le veut le doublé, Makoussou. Et arrêt d'Anasniti. S'envole vers la qualification avec Makoussou peut-être. Makoussou, le festival. Oh, il aurait dû remiser. Il est égoïste. Mais il a aussi l'égalité alors que Jean-Marc Makoussou peut-être. Lelo astucieux de Jean-Marc Makoussou qui signe son grand retour. Ah, il a non seulement joué du pied gauche mais il a surtout joué de la tête avec ses lobes astucieux. Il a réussi à battre le portier Ngouansa Simon pour le troisième but de l'AS Vita Club. Le club qui a pris de l'ascendance dans l'entre, donc dans l'axe central, il y a un bon métier qui est en train d'être fait. Et de mettre de Yannick Bangala Litombo et de Padou Bopunga dans le couloir. On sent Tido Bafoula qui sait se projeter très facilement donc sur le plan offensif. C'est réveillé, je crois que là. Alors, c'est but de Jean-Marc Makoussou peut-être les doublés. Jean-Marc Makoussou Mundele à l'espace quasiment de 3 minutes signe un doublé. Jean-Marc Makoussou signe un doublé dans ce match. 3 minutes après l'ouverture de son propre compteur. Ah, il récidive et porte le score à 4 à 0. Ah, beaucoup de similitudes de coach dans ce retour de Jean-Marc Makoussou avec celui de Lamine Diawara du FC Renaissance qui est aussi rentré avec son club et qui a signé un doublé lors du match nul contre l'association sportive Dragon Biniman 2 buts à 0. C'est quasiment le même scénario. Lamine a marqué 2 buts en l'espace de 3 minutes. Et c'est ce que vient de faire Jean-Marc Makoussou Mundele. C'est ça la force d'un attaquant. Oui, parce qu'on sent que le club était avide d'un attaquant qui pouvait faire la différence. Pesé, je crois que... Dans ces matchs, à lui tout seul, coach, il sait de faire la deuxième mi-temps de
3 buts. C'est Diego, donc il a lancé les niveaux pour réclamer depuis très bien longtemps. Je vois que là on peut dire bravo et chapeau à Jamal. Jamal Kamakoussou, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans ce match. Jamal Kamakoussou, lui a peut-être les mystères du chiffre 3 dans ce match.
Mundele Makoussou. Et non, je pense que c'est pas dans le jeu.
à Makusu Bisioji qui a failli bénéficier de cette erreur d'Abatongo. Ah, heureusement, bon, centre à ses coéquipiers. La réponse du berger à la berger. Ah, Makusu dans la dernière minute. Alors qu'on était rentré dans les temps additionnels. Jean-Marc Moungele face à Jibi Bindanda. Il essaye d'enrouler. Il centre au deuxième poteau. C'est qui? Jésus Moulopo Bindanda. Jean-Marc Moungele qui cherche le premier. Il conserve bien la balle. Moungele, malheureusement, il perd. Il va être le bric. Ah, c'est son vis-à-vis. Il centre pour qui? Attention, peut-être l'ouverture du score. Non! Jean-Marc Moungele servi sur un plateau d'eau. Tire à côté, au-dessus de la transversale, c'est inimaginable. Jean-Marc Makusu qui bouffe la feuille de match. C'est... Il va centrer pour qui? Oh, peut-être l'ouverture du score, non! Belle intervention d'Engele Kakatemwe. Il a capté. Joue avec Jean-Marc Ndele Makusu. C'est pas cadré. C'est le tout premier coup franc de ce match. Attention, Ndele Makusu. Il le scelle face à une multitude de défenseurs. Ah, Ndele.